Coucou les choucrounous, ici Loupina pour un nouvel épisode de Déco Duo que je fais avec Miss Agneau. Une semaine sur deux pour ceux qui viennent d'arriver, en fait on fait une construction à deux. Donc on a 20 minutes à chaque semaine pour continuer la construction que l'autre a commencé. J'ai l'impression que le jeu me hurle dans les oreilles. Donc je vais baisser le son tout de suite. Ah, c'est pas le bon truc. Je fais des bêtises comme d'habitude. Ah là là. Pouit pouit, je descends, tac tac tac, voilà. Donc maintenant je vais regarder un peu ce qu'a fait Missa. Vous m'avez fait les retours sur ce que j'avais fait et c'était plutôt bon, sauf le tapis. Et c'est vrai qu'après avoir regardé plus tard, je me suis dit que ce tapis n'avait rien à foutre ici. Donc si Missa n'a pas bougé de place, je vais le bouger. Alors, voyons voir ce qu'elle a fait. Ah, mais ça a bien bougé, dis donc. Oh. Ah oui, non mais elle a géré en fait. Oh mais il est trop beau ce tapis. Il est où? Il était où? Non mais attendez. Tapis à franges machin. Ah, elle a grandi, d'accord. Il est où du coup? Là. Oh, d'accord. Bah j'ai jamais fait gaffe qu'il y avait ce tapis. Mais c'est ça qui est bien aussi dans le déco duo, c'est qu'on voit un peu le style de l'autre. Ah, c'est sympa hein, ce que t'as fait. Oh, j'adore l'espèce de tête de lit là. Franchement, ça déchire. La coiffeuse, elle a bien aménagé parce que c'est un peu ce que je voulais faire. En plus, une chambre. Là, il manque un truc, donc je sais pas ce qu'on pourrait mettre. Je verrai bien. L'aquarium, oh, c'est beau. J'aime, je valide. Bravo, félicitations. Mes chiottes. Lol. Ah, du coup, elle a fait une pièce. Bah alors c'est dommage parce que ça gâche pas mal de trucs là. Je sais pas du tout ce qu'elle compte faire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Moi j'ai aucune idée de ce qu'on pourrait faire. Je pensais en bas. Là je pense que je vais faire une chambre pour les bambins. Du coup je vais bouger le tapis hein, parce que c'est clair que parmi la déco bleue et verte, on a un tapis piano qui a rien à foutre là. Je suis complètement d'accord. Je suis d'accord. Ah, ça a bugué. C'est bon, excusez-moi, mon PC a freeze. Donc, bah écoutez, je vais prendre... C'est parti, allez. Donc, à 22. Donc, le tapis piano, je vais le mettre ici. Ici, je vais faire une chambre pour les bambins, je pense. Du coup... Il nous faut un tapis parce que là, c'est très vide. Et c'est très très dommage. Alors, fais voir ce que ça... Ah, c'était celui-là. Ce que ça donne. Et si on mettait lui... Ah, bah voilà. Ça correspond mieux celui-là. Hop. Et voilà. C'est beaucoup mieux, beaucoup plus dans le thème. Je sais pas si Missa a bien aimé. Je vais aller regarder son épisode tout à l'heure. On verra bien ce qu'elle a dit. J'ai un peu peur. Mais bon, franchement, je sais pas ce que vous en pensez. Mais pour le moment, je trouve que on se complète bien. Enfin, si on peut dire ça comme ça. Ça va, ça donne pas un truc trop bizarre. Enfin, je trouve, après... Après, en soi, le déco duo, c'est assez sympa parce que ça mélange les styles. Je sais absolument pas quoi mettre, les gars. Ça mélange les styles et ça, c'est cool. Du coup, je galère. Je sais plus ce que je veux. Qu'est-ce que je peux mettre? Voyons voir. Alors, je me rapproche. Je me rapproche. Si jamais il y en a qui ont vu que j'avais un pansement là, c'est normal. Je viens de me faire tatouer. Lol. Lol, lol. C'est intéressant ma vie, mais je préfère le dire avant qu'il y ait des commentaires. Qu'est-ce que t'as, Loupina? Voilà. Donc vous énervez pas, c'est normal. Qu'est-ce que tu t'es fait tatouer? Vous verrez. Vous verrez, peut-être que je vous le montrerai, peut-être pas. J'en sais rien. Là, je vais mettre un berceau. Et si plutôt que de faire une chambre pour bambin, on faisait une chambre pour bébé? Et ouais, ça peut être cool, ça. On fait jamais de chambre pour bébé. C'est vrai, hein? Non? La meuf qui a besoin de certitude. Bon, on va quand même mettre un pot. Je sais pas pourquoi j'ai envie. J'ai envie de mettre un pot, qu'est-ce que vous voulez? Et ça, c'est trop mignon, les petites étagères pouic-pouic, là. Hop. Alors, par contre, juste pour enquiquiner le monde, je vais ni mettre du rose, ni mettre du bleu. Parce que je ne supporte pas qu'on genre une couleur, ça me débecte. Du coup, je sais pas, bah vu qu'il y a du vert là, pourquoi pas mettre du vert? Non, ça irait pas avec le tapis. Bon, c'est quoi ce tapis? Il me fait chier, voilà. J'ai supprimé le tapis. Tug life, rien à foutre.
Je sais pas trop ce qu'on pourrait mettre comme couleur. Et si on partait sur du jaune? Jaune, la couleur du soleil, tout ça. Ça pourrait être sympa, non? Je sais pas. Je sais pas du tout. Je ne sais point. Nanana. Il n'y a pas de pot jaune. Remboursé. On a peut-être un là. Ouais. Parfait. Perfecto. Ah là 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 là, je sais pas quoi dire. J'ai un peu la tête dans le cul, je vous avouerai. Pourtant, il est 19h, hein. Ça fait un moment que je suis debout, mais je sais pas, je sais pas. Oh, pardon, je bâille. C'est pas que je m'ennuie, mais quand je parle beaucoup, je finis par bâiller. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre? Une petite chenille. Eh oui, une petite voiture. Des dinosaures, parce que c'est trop mignon. Du coup, je vais mettre la licorne. Je vais mettre celle-là, elle est trop kiki. Regardez-moi ça! Déjà que j'ai pas le temps et moi je perds du temps sur une licorne, tu sais. Mais elle est trop mignonne! Y a pas un lapin? Oh, je suis déçue. Oh non, je voulais un lapin, moi. La grosse gamine. Mais mon lapin. Lapin. Pourquoi? Bon, bah, je vais mettre, je sais pas, bah, les cubes, là. Mais ils sont pas très beaux, hein. Choquée, déçue. Je me désabonne. Voilà. Du coup, on va mettre du vert et du jaune pour la chambre. Je suis très vert en ce moment, je sais pas ce que j'ai. Mais pas dans les fesses, hein, les verts. Ni dans le nez d'ailleurs, avant que vous. Ok, je suis partie très loin là. Désolée. Ah, mais il y a d'autres couleurs pour les cubes, j'avais jamais fait gaffe. Ah là là, j'ai trop peur pour le nouveau kit là qui sort bientôt. Franchement, ça me stresse. J'ai trop peur de ce qu'ils vont faire. Je sens que je vais galérer sur mes autres challenges. Ça va être horrible. Horrible. Bon, on verra bien, hein, mais moi, je le sens très mal. Je sais pas pour vous, les gars, si vous faites le 100 bébés challenge ou ce genre de truc, mais moi, je le sens pas bien du tout. Pas bien du tout, du tout, du tout. Oh non, on peut pas mettre le nounours. Ah, mais attendez. Move. Choirin. Ah, bah c'était pas ça. Bb.move. Object on. Ça me saoule. En fait, je vois pas avec les FPS. Bah là, j'ai bien écrit par contre, hein. Bon, d'accord. Ah voilà, c'est bon. Ah, super. Donc ça c'est cool, je peux mettre le petit machin. On va mettre d'autres petits jouets, des petits dinos. Le lama, il est tellement beau ce lama. Il faut le mettre. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Tom Tentacule. Ah. Il donne pas trop envie, hein. Ok, c'est pas grave. Il y a pas une autre couleur? Du vert. Super. Oh là là. Mon Dieu. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Un monstre. Tu ne comprends pas, Bella. Je suis un monstre. Oh là là. Je cherche. Ah, un coffre vert. Voilà. Donc ce sera en gros une chambre de bébé, bambin, ado. Non, pas ado, n'importe quoi. Enfant. Il y aura un peu de tout. Pimpin le lapin, oui, on veut Pimpin en jaune. La chieuse avec son jaune. C'est quoi ça? Ah, c'est mignon ça. Ah, mon chéri fait du bruit. Désolée si vous entendez. Et il n'y a pas un truc genre jaune et vert. Oh non. Il n'y a que vert. Hop. Comme ça. Oh, c'est pas du tout centré, hein. Ça me stresse.
Voilà. Là, c'est toujours pas centré, mais ça se voit moins. Si je mets là. Ah ouais, je vais le mettre là. Du coup, ça me paraît bien. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Ah, on peut mettre ça. Ah oui, les petites décos là. Est-ce qu'on peut mettre des trucs sur les... Mais il faut encore des étagères, on peut rien mettre dessus. C'est vraiment relou en fait. Ça se passe comment là? Mais punaise, c'est chiant. Alors, Alt 9, je crois. C'est ça. Voilà. Je vais mettre le gros poney obèse. Laissez-moi mettre le poney obèse. J'aime les poneys obèses. Hop. Ça, c'est bon. On peut mettre des petits livres pour dire oui, je lis des histoires à mon enfant. C'est bon, c'est bien. Ouais, c'est bien. Même s'il y a une bibliothèque juste à côté, mais c'est pas grave. Ah, oh, les petits papillons. Ça, c'est trop mignon. Oh, trop chou. Trop chou. Trop kiki kawaii. Alors, il n'y a pas du vert, juste du vert. Oui. Ouais, bah celui-là, c'est le plus vert. Je ne suis pas du tout convaincue. Ça, c'est quoi? Boîte de repas. Oui. Ouais, non, c'est pas trop ce qu'on cherche. Hop. Ça, j'aime bien. Je trouve ça trop mignon. Hop, on va plutôt mettre celle-là. Tout, 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 pouic, poit, pout. Et j'avais vu un autre truc aussi qui était joli. Ah, celle-là. Voilà, je sais pas si ce sera une fille ou un garçon. J'ai aucune idée, mais au pire, c'est pas grave, hein. On peut très bien mettre des princesses pour les garçons et puis des je sais pas quoi pour les filles, hein. Moi, ça me dérange pas. Au contraire. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre sur les petits pouit pouit là, sur les petites étagères? Oh, il est trop mignon lui! Oh, trop chou! Ah, ça c'est trop cute. Ah, on va plutôt le mettre là. Oh, c'est trop mignon! Oui, trop mignon! J'en peux plus. Je suis au bout de ma vie. Je suis à la fois active et puis à moitié endormie. C'est très bizarre. Là, on va mettre la chaussure jaune. Ah, il faut qu'on mette des rideaux. Ça peut être pas mal. Les rideaux, ça peut être pas mal, ouais. Quelle couleur? Moi, 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 moi. Bof. Celui-là. Moi. Vous la sentez la conviction dans ma voix? C'est pas ça du tout, hein. Mais alors pas du tout. Est-ce que je peux changer? Ouais, c'est bon. Et je voulais mettre aussi un petit pouf. Oh, il est trop mignon ce lama. Un petit pouf pouf. Pour la maman, tu sais, vous savez, si elle veut s'asseoir tranquille pour allaiter. Voyons voir. C'était où? Ils sont où les poufs? Voilà, ceux-là. Tu vas mettre le petit panda. Oui, petit panda. Oui. J'ai pété un câble. Hop là. On va plutôt mettre celle-là. Bon, bah ça me paraît pas mal. Et si on mettait le sol, ça pourrait être une bonne idée. Et le papier peint aussi. Moi, 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 moi. Ça peut être bien. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Oh non, ça c'est trop moche. Mais en fait, on dirait un morceau de fromage là. C'est horrible. Bof, en fait, j'aime pas ce papier peint. Je sais même pas pourquoi je le regarde. Ouais, ça. Des petits dinosaures. Ça va, c'est gentillet, les petits dinosaures. Du coup, il y a quoi là? Du parquet? Bah, on va rester sur du parquet, hein. Moi. Je suis pas convaincue. Elle a mis quoi en haut, Missa? Du parquet comme ça. Ouais. Oh, c'est beau ce qu'elle a fait, hein. Je kiffe.
J'adore. J'adore, j'adhère. Je rajouterais bien un petit peu de déco dans son truc. Juste pour dire, regarde, je m'incruste dans ta salle de bain. Je suis une grosse chieuse. Bah c'est ça, hein, faut... Ah, j'ai un message, c'est pas grave. Faut s'incruster dans le truc de l'autre parce que sinon c'est pas très drôle. Enfin après, je trouve, ça se trouve, elle va se dire, oh, bah elle est chiante. Du coup, elle a mis quoi? Du blanc. Donc ça reste très blanc. Donc on va mettre un petit bleu. Hop. La musique des vampires est tellement belle. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'adore. Franchement, la musique du pack des vampires, elle déchire. J'adore. J'adore, j'adhère, tout ça. C'est trop beau. Là, hop, le petit PQ, parce que c'est important de pouvoir s'essuyer les fesses. Bah oui, désolée de vous l'apprendre, hein. Mais quand on a fini de faire caca, il faut s'essuyer. Ouais, alors là, je sais pas du tout ce que je raconte. Je dis vraiment de la merde, je suis désolée. Elle est trop belle cette musique, franchement. Ouais, franchement, la maison, elle est jolie, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Enfin, si, je le sais parce que vous, pour la plupart, vous aimez bien. Et moi, je suis assez fière de ce qu'on a fait quand même pour le moment. Ça déchire, ça envoie du lourd, comme on dit. Du coup, je m'incruste dans sa salle de bain, tranquille ou gilou, y a pas de souci. L'incruste, c'est moi. Aïe aïe aïe, ça ne s'arrange pas. Est-ce qu'on peut mettre un petit essuie-main là? Oui, on peut. Mais pas celui-là alors. Celui-ci. Pouit. Mais c'est pas vraiment la même couleur. En fait, c'est dommage parce que les bleus que j'utilise, c'est pas la même couleur. Ah, voilà. Non. Ouais. Je suis pas convaincue. Bon. Bah, ça suffira pour le moment. Est-ce qu'on peut mettre... Non, on peut pas. Oh. Déception. Ouais, c'est vraiment beau ce qu'elle a fait. J'adore. J'adore. Oh, un petit pouf, je l'avais pas vu. Trop mignon. Et si on mettait un bureau ici ou quelque chose? Mais j'ai peur que les Sims puissent pas y aller par contre parce que j'ai envie de faire un bureau en coin. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Comme ça. Je sais pas trop. Attends Ruru, je chronométrais là. Oui, c'est Ruru, il veut me montrer son tatouage parce qu'il l'a fait aussi, les Kuntin. ouais. Comme ça me paraît bien là. Je sais pas ce que vous en pensez vous. Vous me direz de toute façon, vous ratez jamais une occasion de me dire votre avis. Et c'est bien d'ailleurs, même si... Parce que c'est vrai que des fois, je fais des trucs. Sur le moment, ça me paraît bien. Et puis avec le recul, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai foutu en fait? Ça s'est passé comment dans ma tête pour que je fasse ça? C'est ce qui s'est passé avec le tapis. Je vais baisser juste un tout petit peu la caméra. Voilà. Merci. J'espère que vous appréciez mon nouveau décor. Ah là là, trop intéressant ce que je raconte. Elle est partie dans du vert, hein. Ah, ça c'est bien ça. Bah, en fait, on est dans du vert et du bleu. Mais c'est bien parce qu'elle fait des couleurs assez sobres alors que moi, je suis toujours en train de foutre du flash. Ah, ça pète les yeux, tu sais. Aïe aïe aïe, ça ne s'arrange pas. Et là, il y a quoi? J'adore ce genre de verre, mais bon, là c'est bon, il y a assez de trucs. On peut rajouter des objets maintenant, juste des petits objets sympatoches. Voyons voir, qu'est-ce qu'on peut mettre? La boîte de cookies! Elle est où? J'adore La meuf qui s'énerve, tu sais, toute seule. Donnez-moi le cookie! Où ils sont? Ils sont où? Ça se trouve, je suis... Ah, ils sont là. Oui! À côté du PC, comme ça, t'as un petit creux, tu manges ton cookie. Ça, c'est bien, ça. Là, je dis oui, là. Ah oui, hein. Complètement oui. Là, on va mettre une boîte. Je sais pas si elle la verra. La boîte.
Les dossiers cachés. Et là aussi, des livres cachés. Plein de choses cachées. Peut-être une autre couleur. Je suis désolée si vous avez entendu un bruit. C'était le téléphone de mon compagnon. C'est pas trop grave au pire, hein. On va s'en remettre. Ah, il y a ça aussi, mon bof. Ça prend trop de place et c'est pas top. Enfin, c'est pas top pour cette maison-là, en tout cas. Je ne sais pas du tout ce que je fais. Ah là là, là 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 là, il reste pas beaucoup de temps pour que je me manie la rondelle. Manie la rondelle. Et plus vite que ça. Hop. C'est bête, il n'y a pas un genre de petit bloc-notes ou je sais pas quoi. Ce serait cool ça, qu'ils en mettent un. Ou alors, à chaque fois, je passe devant, mais je le vois pas. C'est possible aussi, hein, douée comme je suis. Y a pas du... Moi. Moi, moi, moi. Ah, ceux-là sont plus jolis. Bon, du coup. Allez, un dernier truc avant d'arrêter là. Qu'est-ce que je peux mettre? Des petites... Non. Oh, je vais mettre ça à côté là. À côté de la baignoire. Voilà, mais ça, j'empiète sur son territoire, hein. Je m'incruste, moi, hein. J'ai pas de respect, tu vois. J'adore ce que tu fais en plus, donc bon, bah je crois que... Non, il me reste encore un peu de temps. Est-ce que je les mets pas plutôt en noir? Oui. Vous la sentez, la fille convaincue. Ouais, ça tranche, ça jure vachement en noir. Je vais laisser comme ça. Je sais comme ça. Et qu'est-ce que je peux mettre d'autre avant la fin, là? Des livres. Ah, c'est des CD, pardon. Ah bah, vite, vite, une chaîne, une truc de musique. Vite! C'était là! Pourquoi j'ai cliqué à côté? Ah, c'est un peu gros, hein. Moi. Hop, je change juste la couleur et c'est terminé! J'ai encore fait n'importe quoi! Du coup, j'ai fait ce petit coin-là, j'ai squatté la salle de bain de Missa et j'ai commencé à faire le coin en bas. J'ai aucune fichue idée de ce qu'elle compte faire là. Donc j'ai pas touché. On verra bien. J'espère que l'épisode vous aura plu. La suite sera sur la chaîne de Missa New. N'hésitez pas à cliquer si vous venez d'arriver sur la playlist qui est en fin de vidéo pour tout regarder nos épisodes et ainsi pas devoir switcher de chaîne. Donc tout est mis, tout est bien, tout est propre. Bah, je vous envoie des cœurs et des paillettes. Et salut!